Ma reine, je suis venu vous annoncer une information très importante. Vas-y. J'espère qu'il n'y a pas des espions en tout. Hein. C'est par rapport à la mission que je t'avais confiée la dernière fois. Hein? Non! Cette fois-ci, c'est plus grave. Celle-ci peut renverser même un éléphant. Non! Ce n'est pas possible! Je jure. Sa Majesté Sangon, je suis de même scandalisé comme vous. Quand ma reine m'interpelle à haute et intelligible voix. Ils sont avec Anna. Oui, c'est vrai. Tu me l'as dit tout à l'heure. Parle. Bobby. J'aimerais savoir comment tu as commencé pour en arriver là. Sa Majesté Sangon. Et ce n'était qu'un rêve que j'ai essayé d'expliquer chez Kitoko. Tellement il riait que je n'ai pas pu terminer. C'est ma tête. C'est pour mettre stop à ce rêve, Sa Majesté. J'aurais dû faire cela. Ce n'est qu'un rêve, Sa Majesté Sangon. Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Sikati Tunidor, créateur de la Zorboto de Jésus. Je maudis Satan et sa famille maternelle qui ont repenti le mal sur terre. Racherba kakakakaka. Feu! Double feu! Instrumental! Conga, Conga! Kalissa, où sont passés les guitaristes? Ngo Solo, laisse-moi la guitare! Les portes de la chefferie te sont ouvertes. Tu peux porter plainte quand tu veux, comme tu veux. Et elle sera également convoquée pour le jugement. On vous amène à la place publique où vous payez les 50 000 francs. Non, ça va. J'ai dit que je vais payer, non? Je vais payer. C'est ma recette de 3 jours. Allez-y. N'oubliez pas que nous avons la réunion où chacun de vous doit me dire comment est-ce qu'il prépare la canne. Hein? Et fait également des propositions pour que notre canne soit bien sucrée. Ma tonton. Majesté. Occupons-nous du frère. Ecumenique. Responsable et communique. Toi, tu vas où? Restez là. Restez là, ma tante. Frère Ekumini. Oui, Sa Majesté. Je suis à toi. Vous êtes un homme rempli de sagesse, Sa Majesté. Sa Majesté. Vous savez, dans la Bible, la parole de Dieu dit ceci. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Ne jugez point et vous ne serez pas jugé. Frère Ekumini. Oui, Sa Majesté. N'oubliez pas qu'il est aussi écrit dans les Saintes Écritures que toute autorité vient de Dieu.
Et donc, mon autorité a été établie par par Dieu lui-même. Le Créateur lui-même. Uh-huh. Et si Pilate a jugé Jésus, toi, tu es qui pour que moi, je ne te juge pas? Sa Majesté, vous êtes vraiment rempli de sagesse. Sa Majesté, il est bien vrai que j'ai un peu touché les seins et ses fesses. Mais c'était pour chasser le démon. Vous savez, pour la canne qui vient là, il faut totalement éliminer les démons de temps en temps. Donc c'était que pour ça, Sa Majesté. Et quand je regarde Sa Majesté, non, vous maîtrisez la Bible vous-même aussi. Mm-hmm. Vous êtes un chef. Mais Sa Majesté, vu que vous-même vous maîtrisez un peu la Bible, ça me réjouit. Vous n'ignorez pas sûrement l'histoire de l'adultérienne dans la Bible. Attends, celle qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Voilà. Et que les hommes ont voulu la lapider. Et Jésus est arrivé et a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Voilà. Et je me souviens, personne n'a eu le courage de jeter la première pierre. Sa Majesté, vous êtes un grand homme, rempli de sagesse. Mm-hmm. Donc, pour revenir à dire ceci, Sa Majesté, mm-hmm, si vous-même, vous reconnaissez n'avoir jamais péché, jugez-moi donc. Mais attends, est-ce que moi j'ai dit que j'allais te juger? Donc vous pensez que moi je pouvais vous juger devant les gens comme tout autre sujet, comme tout autre villageois comme ça? Et non. Toi, tu sais, si ces enfants sont venus porter plainte, c'est parce qu'ils ont faim. Les autres donnent la dîme à l'église. La chefferie n'est pas subventionnée. Et toi, à qui est-ce que tu remets ta dîme? Donc, c'est l'occasion pour toi de verser ta dîme à la chefferie. Pour qu'on donne un peu de quoi manger à ses enfants. Sa Majesté. Il se peut que lors de votre récente maladie, beaucoup de mauvaises langues ont parlé. Ah bon? Quand vous êtes malade, vous risquez de ne pas vous en sortir. C'est là où j'ai compris qu'il n'y a pas de petit métier. Donc tout métier a des risques, même pour vous là. Pas du tout. Car tout chemin mène à Rome, en fait. Ils ont même dit, oh, apparemment, ce sont les quatre... Il est bien vrai, j'ai été beaucoup malade, mais Dieu merci. Et grâce à Liber Yossa aussi, qui m'a aidé dans mes factures, je suis sur pied aujourd'hui. Et cependant que j'étais couché dans mon lit, on m'a dit que tu battais campagne. Nous avons battu campagne, Madame la responsable. J'ai sensibilisé tout le monde, au grand complet, y compris même des enfants. Nous avons rassemblé, on a dit, oh, il est l'heure que notre football doit vivre. Il est l'heure que nous avons besoin de quelqu'un digne. Dieu merci. Le Seigneur a écouté nos prières, l'a béni. Enfin, nous avons l'enfant prodige à l'heure actuelle, comme je te parle, à l'instant où il faut. Il m'a promis tellement de choses. Et les cadeaux, les bracelets, les maillots, les chapeaux. Même le notable Kouta, dès son retour, il arrive ici, là, avec beaucoup de choses comme récompense pour avoir sensibilisé des gens pour qu'ils soient là où il est là. C'est quoi? Toi, tu ne mérites pas être près de moi. Ça, c'est le genre de personnes qui sont comme des maïs qu'on sème, ça sort avec des dents arrachées.
C'est de sans confiance. J'espère bien que tu n'as pas de promesse de cadeau de Samuel et tout. Ce n'est pas un rêve. Hein? C'est même un songe. Ton problème sur lequel c'est un songe. Sa Majesté, comme on ne peut pas quand même venir à la chefferie comme ça et rentrer comme ça, je ne suis pas quand même venu bras ballant. Oui, j'ai quand même prévu quelque chose de quoi de temps en temps remplir, remplir votre verre. Ok. Bon, Sa Majesté, j'ai aussi appris, ou c'est une rumeur, ou c'est quoi, concernant le porte-parole de tous les syndicats lors de la CAN. Mais je crois, non, c'était pas vous, mais cette histoire sera réglée à la prochaine réunion, devant tout le monde. Hein? En pleine réunion, devant tout le monde. Papa. Ça c'est un trait, ça c'est un deux côtés, Zoron Fembro. J'ai seulement parlé. J'espère que ce n'est pas un rêve. Hein. Pardon. Arrête à Dana Imop. Arrête à Dana Imop. C'est déjà ce niveau-là. Ça va traverser le niveau. C'est déjà au niveau de l'échelle. Tu as compris, non? Évite-moi. Évite-moi. Ah non, papa. Excuse-moi. S'il te plaît. Excuse-moi. Notable Kitoko. Oui, Majesté. Faites-moi venir la responsable de belles de nuit là. À vos ordres, Majesté. Oui, Sa Majesté, j'espère que le jugement s'est bien passé. Et pour cela, j'aimerais que vous me versiez les amendes qui nous reviennent. Rien ne vous revient. Je dis rien ne vous revient. Toi, tu passes le temps à monter tes filles pour aller stocker les gens. Imagine-toi un instant que ces victimes étaient des étrangers. Quelle image allait-elle garder pour notre pays, notre village? Je pense que je vous avais dit que chacun de nous devait défendre les couleurs de notre nation, de notre village, positivement. Hein? Et on me dit que ce n'est même pas seulement tes filles qui font ça, que toi-même tu le fais. Je tiens donc à te rappeler, si j'entends encore, je dis bien, si j'entends encore seulement que quelqu'un se fait encore narguer par tes filles, je vais supprimer votre métier. Je pense qu'on peut faire cette canne sans les prostituées. Les étrangers peuvent supporter sans faire pendant un mois. J'ai dit que je vous donne ce que je peux vous donner, madame. Mais comment ça, Sa Majesté? Ou à défaut, vous partez et j'annule votre corps de métier. Comme vous avez dit, Sa Majesté, donnez ce que vous voulez. Je vous attends à la réunion de proposition.
Bobby. Bobby. Le guignol. Le griot. Le griot. Kitoko, évite-moi. Évite-moi. Le rêveur. L'homme des rêves. Bobby. L'homme des rêves. L'homme des rêves. Bobby. L'homme des rêves. Mon rêveur. Kitoko. Écoutez, nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Considère que tu es l'eau, je suis l'huile. Ok. Je suis l'eau, tu es l'huile. Oui. Évite-moi. Je suis devenu quoi? Pour t'éviter. Te voilà, Kitoko. Arrête à dana et mop. Donc, c'est déjà à ce niveau-là. Tu dois t'éviter. Arrête à dana et mop. Par-ci, par-là. Yala ou emala. Évite-moi, Kitoko. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Je te laisse, tu me laisses, tu ne me laisses pas, je te laisse, tu ne fais que me laisser, tu me suis. Évite-moi. Moi, je te laisse pas. Je te laisse pas. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Tu lis pas. Vous avez reçu 500 000. Au nom du nouveau président de la FECA Foot Foot. Oh, personne, Jonah. Y'a personne, Jonah. Bobby, Bobby. Personne, Jonah. Toi et moi, non. Toi et moi. On se partage, toi et moi, n'est-ce pas? Toi qui? Toi et moi, toi et moi. Filme ça. Tu te souviens d'ici? C'est ce que tu m'as scellé comme un collecteur d'impôts, non? Ne se passe ici pour m'empêcher d'aller battre campagne. Tu ne croyais pas? Au lieu de toi et moi, même 5 francs, Golembo Tondola, même c'est la fausse pièce, tu n'as droit à rien, Kitoko. Rien du tout. Bobby! Oui, ma princesse. Bonsoir, appartement, c'est comment? Ça va, ma princesse. Ma princesse, que fais-tu dans mon quartier? Je venais comme ça te voir. À quel sujet, ma princesse?
Tu sais, comme c'est la CAN, mon père m'a nommé président des fan clubs. J'aimerais savoir combien coûte un coupe de Mbolé. Ma princesse, tu sais que le genre de choses là ne se passe pas comme ça. Il faudrait au moins ce que vous nous donniez quelque chose pour qu'il puisse alimenter le groupe. Vous avez prévu combien pour nous, ma princesse? Bon, mais 25 000. 25 000, c'est pas bon, ma princesse. 100 000, c'est bon. Non. Vrai, ma princesse, parce que nous devons louer les appareils, les instruments. L'équipe doit manger, le transport, la nutrition, tout ça. 100 000, c'est trop. J'ai besoin de sucer la canto aussi. Je ne peux pas. Si tu donnes 100 000, je vais avoir quel revenu. Donc, je ne peux pas. 100 000, c'est trop. 25 000, c'est pas bon, ma princesse. Vous ne pouvez trouver aucun groupe de Mbolé à 25 000. 50 000 francs sur le barré, même s'il vient de commencer. Bon, d'accord. Je vais te faire signe. D'accord, ma princesse. C'est le Mimi. Le seul où est que quand tu tires, tu y as mot dans ton corps, le Mimi. Quand tu te peins, tu niais tout le monde qu'on les peintade, le Mimi. Quand tu sou... Oh! Oh! Merde! Je te colle, tu marques encore deux pas. Toujours parce que tu es la seule pintade sautée que moi je colle même ici au Quata pour tourner avec. Hé, tu manques le respect à qui? Hé, pardon! Tu touches qui? Il faut savoir quel genre de fille fait ça. Tu touches la princesse de Mila. Regarde-moi bien. Quand tu me regardes là, tu me vaux. Je veux qu'avec un gringalet comme toi. Tu ne connais même pas t'habiller. Tu ne connais pas le chemin pour aller chez le coiffeur. Mais donc, comme ça, la sumo restait déjà veut me jamais le respect jusqu'à ce point. En dehors du yokayo, tu y as non. Maintenant, il y a la gifle yokate. Tu osais me gifler. Tu osais gifler la princesse de Mila. C'est l'âme des ancêtres qui va te trouver ici. Touche-moi pas. Maître. Regarde-moi une moula qui choisit roi d'or si comme un Babylone. En tout cas, tu es à ton repère alors. Comme un monjoy tout fout. Vous allez me remettre ça. Je voulais tes choix pour simplifier le dossier. Donc maintenant, je t'aime d'abord. Hé! Toucher à ma princesse. Qui a osé toucher à la princesse de Mila? Pas la princesse. C'est le voyou qui était venu nous menacer ma mère et moi quand j'étais à la cognée avec le gouverneur. Le responsable de ceux qui protègent quand on néglige. Il a osé toucher à la princesse. Je pense qu'il a traversé les limites. Cette fois-ci, il a touché le fond. Je dis qu'il a touché le fond. Ce que vous allez me faire, allez me le ramener. Mani militaire tout de suite. Je vais lui montrer qu'on ne blague pas avec la descendance. Et s'il y a ça, moi, Sangon, Silata. Allez. Toi, tu sors d'où? Au point d'être agressé par un voyou. Va dedans. Une princesse qui doit pavaner seule partout avec plein de guerriers à la chefferie. Thank you.
Toko. Ce type d'abord est de nature trop violent. Donc ensemble, nous pouvons... On va le maîtriser. On va le maîtriser. Ou c'est moi, ou c'est pas moi. Ou c'est pas moi. J'ai dit ça. Sa Majesté Sangon a besoin de vous, de toute urgence à la chefferie. On va porter atteinte à la sécurité de la princesse. Sa Majesté, il arrive. Il est où? Yemenho, le voilà. Où est mon joli tout foutre? Tu as osé toucher à ma princesse. Je... Où est mon joli tout foutre? Tu as osé toucher à ma princesse. Attachez-le. Attachez-le. Sa Majesté. Maman. Tu n'as pas mon fils. Sa Majesté. Tu ne m'as pas fait chérie. Tu ne m'as pas mon fils. Maman. Maman. Vous avez votre chance. C'est ma remède donc quand. Comme vous voulez la guerre. A Koki ou na guerre. Maman, maman, laisse-moi. Je vais les tuer. Oh Mango. Hé hey, maman. Ils ont quoi? Ils ont provoqué la guerre. Hey, je vais les tuer au fire. Hey, laisse-moi. Sa Majesté Sango, Sa Majesté, le descendant de Silacha, le combattant de Baoba, le tombeur de Titan, Sa Majesté Sango, le roi combattant, Sa Majesté. Laisse ça, Aki, c'est quoi avec toi? Eh, moi, regarde-toi. Eh, hey. Anna, moi t'aime. Maman, papa, Anna. Je t'aime, viens, Kouchania. Kouchania. Tu es malade, hein? Tu es pas beau, tu es même pas belle. Tonton, c'est ta fille. Je suis venu te porter plainte. Me porter plainte pourquoi? Tu es méchant. Il a fait quoi? Non, Gono. Ne me dis pas que toutes ces souffrances que tu as vécues avec Sikati, tu vas laisser tomber. Je m'en fous, Da. Je m'en fous, Mimi. Cette maison, ce que tu vois là, ce sont les choses éphémères. Qu'une femme vienne me rester dedans, je m'en fous. Je ne vais pas, me sacrifier, perdre ma vie pour des conneries comme ça. Ça, c'est zéro. Mais, fais-moi bisous. Tu sais que je suis conseillère matrimoniale, donc ça relève de mon domaine. Passe laver les assiettes. Je ne lave pas. Passe laver les assiettes. Je ne lave pas. Attends. Oh. Attends, toi. Tu tapes sur ton mari?